Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une écurie de Formule 1 assez mythique, pas forcément dans ses résultats, mais plutôt dans tout ce qui est amateurisme en Formule 1. Et donc on va parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est marqué dans le texte, on va parler de l'écurie Life Racing Engineering, si vous préférez. Alors, pour commencer l'histoire de Life, dites-vous que vous avez aimé Andrea Moda, vous avez adoré Robrin, vous avez aimé Colony. Et ben, il y a eu pire que ça. Voilà, il y a vraiment eu pire que ça, et donc c'est de ça dont nous allons parler. Alors pour commencer, Life, bon, vous savez, je me suis aidé quand même de Wikipédia, pas déconner, hein, on connaît tout par cœur, c'est un peu chaud. Deux sites qui s'appellent MinardiF1.it, je crois, et de 2-3 tweets pour quelques anecdotes, donc évidemment, je leur laisse le soin de l'originalité des propos que je vais donner là, puisque je ne fais que reciter certains de leurs textes. Donc, Life, ça a été créé par Ernesto Vita et Franco Rocci, mais il faut savoir à la base que Franco Rocci était un ingénieur qui travaillait à Maranello pour Ferrari et qui a remporté quand même 4 titres avec le moteur Tipo entre 75 et 76 avec Niki Lauda. Et cet ingénieur, en fait, à la base, devait créer un moteur W18, oui, 18 cylindres, oui, tout va bien, en forme de W. Et ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été possible car la Formule 1 en fait interdisait les moteurs au-delà des W12. Enfin des V12 ou W12 hein, qu'on voulait, mais au-delà de 12 cylindres. On a Ernesto Vita de son côté, qui lui est le fils d'un industriel en plasturgie plastique, industrie plastique, je sais plus comment ça s'appelle exactement, qui aussi se retrouve à travailler pas loin de Maranello, ou même à Maranello. Maranello qui est le siège de Ferrari évidemment. Hein. Donc ces deux vont se rencontrer un peu plus tard parce que Ernesto Vita, qui à ce moment-là est à la retraite, va donc, en tant que passionné de Formule 1, regarder le Grand Prix de Brands Hatch 86, qui est malheureusement connu pour avoir eu un énorme carambolage et aura surtout cassé les jambes à notre Français national Jacques Lafitte. Suite à ça, la Formule 1, la FIA, va changer le règlement pour les années suivantes et va obliger à ce que les pédales sur l'avant de la voiture se retrouvent derrière les roues et pas devant. Ce qui fait que l'empattement des F1 est amené à augmenter. Et pour le coup, eh ben, les équipes vont devoir plancher, enfin en tout cas les motoristes vont devoir plancher sur des moteurs qui ont un empattement beaucoup plus réduit. Et c'est là où justement Ernesto Vita et Franco Rocci vont se dire qu'il y a peut-être une idée derrière, puisque le moteur en W a un avantage d'avoir un empattement très réduit. Donc, il y a la création de Life Racing avec ces deux personnes. L'avantage du bloc moteur, donc, c'est qu'il est plus compact. Alors, je vais vous montrer un peu les images. Voilà, c'est parti. Les images du bloc Rocci, qui est un W12, donc 12 cylindres. Et vous voyez, c'est des packs de 4-4-4. Enfin, c'est beaucoup plus compact qu'un autre. Il est censé faire 140 kg. Mais cependant, il va se mettre en tant que motoriste pour arriver en Formule 1. Il va être malheureusement en concurrence avec Judd, il me semble, avec Yamaha, avec d'autres moteurs. Et aucune équipe ne va accepter de prendre ce moteur. Il faut savoir qu'entre-temps, en 89, il y a l'équipe First Racing, qui est en fait une équipe des 3000, hein, comme il y en avait beaucoup à l'époque, qui allait tenter le pari de la Formule 1 pour 89. Et malheureusement, bien qu'ils aient utilisé une base de marche 88, la voiture échoue au crash test. Donc du coup, bah c'est fichu pour First, mais Life va en profiter pour récupérer la voiture. Donc la Life L190 est dérivée de la marche de 88 par juxtaposition. Donc voici, ça c'est la First, celle de 89. Et on va avoir la marche un peu plus tard. Voilà, ça c'est le moteur une fois intégré dans la voiture. La photo n'est pas de début de saison, je précise. Et on a voilà la voiture une fois quasiment finie. Alors pour le moteur c'est bon, pour le châssis on est bon. Goodyear finalement va accepter de donner les pneumatiques pour la saison.
Et maintenant, il faut choisir un pilote. Pour le choix du pilote, en fait, ils ont hésité entre. Enfin, c'est pas qu'ils ont hésité, c'est qu'ils ont voulu prendre des pilotes comme Tarquinig, Shaw, Morbidelli, etc. Mais ces pilotes se sont retrouvés dans d'autres équipes, donc c'était mort. Et finalement, ils vont donner la chance à Gary Brabham, qui est un des fils de Jack Brabham, pour débuter en Formule 1. Et donc, ça sera Gary Brabham, le pilote. Les premiers essais sont faits à Vallelunga. Alors, c'est les essais. En gros, c'est un peu comme actuellement, un peu les essais publicitaires. Ça, voilà, c'est pour montrer aux sponsors que la voiture est bien née, qu'elle peut tourner, etc. Donc, les sponsors, vous allez voir, c'est la Jeep. À peu près la Jeep, Porto Porsche, je sais pas ce que c'est. Bon, quelques petites entreprises locales italiennes aussi. Et pour ces premiers essais à Vallelunga, la voiture réussit à peu près à faire une vingtaine de tours. À très faible allure, hein, surtout pour les photos, surtout pour les sponsors, comme je l'ai dit. Et dès le départ, quand même, il y a un souci électrique. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver, c'est les débuts, c'est les premières mises en jambe de la voiture, mises en roue, je sais pas comment on pourrait dire. Et le moteur est bridé à 11 000 tours minute. Brabham, qui est loin d'être un imbécile, se doute bien que la voiture n'est pas prête pour un début de saison, surtout que les essais sont faits en février et que le début de saison est en mars. Autant dire un mois plus tard, c'est très très court. Alors le châssis en lui-même, c'est un châssis qui fait entre 25 et 30 kg, donc qui est plus lourd hein, que les autres. Enfin, il est plus lourd de 25 à 30 kg. Attendez, il n'est pas 35 kg tout court. Il est plus lourd de 25 à 30 kg. L'équipe en elle-même, bah, c'est assez simple. Elle est formée d'environ 10 salariés. Extrêmement peu à l'époque, même pour l'époque, en général on était entre 30 et 100 personnes pour les petites équipes. 100 personnes, j'exagère un peu, mais entre 30 et 50. Un châssis seulement, deux moteurs, au cas où il y en a un qui tombera, le deuxième est présent, et nada, que dalle, que chi, zéro pièce de rechange. C'est dans ces conditions que l'équipe va arriver aux USA. Et donc pour l'arrivée aux USA, eh ben, donc les premiers tours de roue vont se passer au ralenti, tout simplement parce que bah, apparemment sur les 12 cylindres de du moteur, il y en a quelques-uns qui ne marchent pas. C'est résolu un peu plus tard, il retourne en piste, mais il y a un problème d'allumage. Résultat, l'équipe, bah, la voiture n'arrive pas à faire plus de 2 tours maximum d'affilée, sur un total en tout hein, fait en préqualification de 4 tours. Et en plus de ça, il y a une surchauffe moteur au bout de ces 2 tours. Donc la voiture ne peut pas, en fait, ne pourrait même pas faire la course, en fait, puisqu'il y a plus que 2 tours à faire en course. On a donc aussi un problème avec les mécanos, parce qu'il faut dire aussi que l'amateur est dans tous les sens. L'équipe, en arrivant aux États-Unis, n'a même pas apporté de manomètre. Manomètre, en fait, c'est pour la pression des pneus. On est vraiment au plus bas niveau. Ils sont même obligés d'emprunter à Eurobrin, hein. Robin, qui est une petite équipe aussi. Et donc, les dires, sur place ce jour-là, il y avait 6 personnes, 3 caisses à outils, un ordinateur portable et ce que disait le manager le stratège en fait de l'équipe, bah, il n'y avait pas besoin en fait de faire de briefing avec les pilotes puisque de toute façon. Enfin avec le pilote, parce que de toute façon ils n'arrivent pas à aligner plus de 3 tours et qu'il n'y avait aucun retour à faire sur la voiture à cette allure. Car vous allez voir, les temps autour, donc je vous montre quand même quelques photos, enfin une ou deux parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est difficile de trouver des photos de la life, hein, concrètement. Voilà, en piste, hein, la life, à quoi ça ressemble, d'ailleurs on a une petite forme métal d'ailleurs. Et voilà donc le classement final des pré-qualifications qui se déroulait avant les qualifications. Les 4 plus rapides des pré-qualifications arrivaient pour la qualification et les 26 qualifié pour la course. Sachant que là, il y en a 27. Il faut qu'on m'explique ce miracle quand même. Pourquoi il y a eu 27 voitures à Phoenix alors qu'après, ça se dit c'est que 26. Bon, bref. Et donc là, on voit le temps. 2 minutes 7, soit 38 secondes au-dessus, pardon, de la pole position de Gernberger. Et surtout, 30 secondes plus lent que le pilote devant lui. Que de laine sur le Robin, donc il faut dire à quel point la voiture est lente, avec une moyenne du coup par tour de 107 km/h, ce qui est très très réduit. Et on a juste Bertrand Gachot qui est derrière, mais Bertrand Gachot il a eu des problèmes encore pires que lui, à 5 minutes 15, ce qui fait un gap de 226 secondes et 43 km/h de moyenne. Mais vous allez voir qu'après Colony va un peu mieux s'en sortir que Life. Donc après ce Grand Prix là, on arrive au Grand Prix du Brésil,
avec la voiture, voilà, en piste. Et bah, au Brésil, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, elle va faire zéro tour de préqualification. Alors, vous voyez une photo de la voiture au Brésil, mais dites-vous que là, c'est les premiers mètres. En fait, la voiture va à peine faire 400 mètres, puisqu'il va y avoir une rupture de la bielle. Gary Brabham, qu'on voit sur la photo, lui, même s'il a bien compris que c'est une équipe qui est avec quasiment aucun moyen, il va quand même tenter d'aider en faisant appel à des collègues et des connaissances, etc., pour bah, le management, pour peut-être des pièces, etc. Et finalement, en voyant ça, il va décider d'arrêter complètement, parce que lui, ce qu'il souhaite, en fait, Gary Brabham, c'est qu'on utilise le moteur V8 Judd et pas le W12 actuel Rocci. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prévu à la base de pouvoir peut-être commencer par le Judd, attendre que le moteur W12 soit complété, mis au point totalement, et enfin apte à faire de la Formule. En fait, le truc, c'est que Ernesto Vita va refuser. Il ne veut pas, il veut continuer avec le W12 jusqu'à la fin de saison. Et du coup, Gary Brabham quitte l'équipe. Il va être remplacé par Giacomelli, un autre pilote. Mais quoi qu'il en soit, sur cette course-là au Brésil, il n'aura même pas complété un tour de qualification. On va apprendre aussi un peu plus tard, enfin le pilote va apprendre un peu plus tard, que s'il n'a fait que 400 mètres, c'est tout simplement parce que les salariés de l'équipe avaient été en grève, parce qu'il avait annoncé son départ un petit peu plus tôt. Du coup, ils avaient fait aucun niveau d'huile, ils avaient rien préparé sur la voiture. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de 400 mètres, hein, sans huile, sans rien, le moteur il lâche, c'est évident. Donc voilà. On arrive à Imola. Alors je vous ai pas montré, voilà, le classement, ça sert à rien, hein, voilà, 35e, pas de temps. Rien à dire. On arrive à Imola. Donc à Imola, ce qui se passe, donc je vous l'ai dit, c'est que Giacomelli remplace le pilote anglais. Et l'équipe arrive à nouer un accord de financement avec PIC. Donc PIC pour Piloski SC. Je sais pas si ça veut dire assez. Qui est un industriel aussi, mais en URSS. C'est-à-dire qu'on est en 90, hein, donc l'URSS est dans ses dernières années. Et pour 20 millions, pour un financement de 20 millions de dollars, ce qui est plutôt correct, hein, concrètement, et la production de pièces de carrosserie et de pièces de carbone. Il y a des parts aussi de Live qui vont être vendues à un riche italien du nom de Battaglino. Et pour cette course d'Imola, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que y a une casse de la courroie, de la pompe à huile et de la pompe à eau. Donc l'équipe va pouvoir faire peut-être, je crois, un tour, il me semble. Je montre encore une petite photo. Voilà. Un tour. Bravo. Record battu. Hein, Subaru peut se réveiller. Un tour en 7 minutes et 16 secondes. Ce qui fait une moyenne de 352 secondes de plus que la pole. Et une moyenne autour de 41 km/h. Là, on est à un point où déjà, c'est très ridicule. Et là, les Bernie Ecclestone, tout ça, ils vont commencer à se dire non, il faut vraiment qu'il arrête lui avec son équipe parce que ça va pas du tout, ça crée un préjudice énorme en fait à la Formule 1. Et ce qui va se passer, c'est que ce qu'ils pensaient en plus Bernie Ecclestone, c'est ce qui est en train de se passer puisqu'il y a un petit, il y a un magazine australien sur la course automobile et même sur les voitures qui vont faire un poisson d'avril justement par rapport à ça en expliquant que Live sera en train de faire une voiture, une supercar avec un moteur W18 3,5 litres pour concurrencer la F40. Voilà. Je rappelle encore une fois, je cite. Hein. Je cite, voilà. C'est assez compliqué comme ça. Et donc, on arrive à Monaco. Alors, Monaco, ça va être un petit peu l'éclaircie. Mais l'éclaircie, il faut le dire vite. En fait, à Monaco, comme c'est un circuit qui est plutôt lent en vitesse pure. La voiture va pouvoir tourner un petit peu et elle va faire le dernier temps. Jusque là, ça change rien. Mais elle va être qu'à 13 secondes de la pole position. C'est plutôt. C'est très mauvais, mais on va dire que comparé à 7 minutes, c'est déjà beaucoup mieux. Et pour le coup, ils vont. Alors, il me semble que la vitesse maximum à la sortie du tunnel, c'était 211 km/h. Alors que Senna était à 270 km/h, donc vous voyez la différence la différence complète avec le moteur. Ça va pas du tout, mais bon, c'est quand même un petit peu mieux que d'habitude. Donc à Monaco, ils vont continuer. Alors je vous montre un petit peu le classement. Voilà, on a encore une petite vue de la life.
Alors live, pourquoi live d'ailleurs? J'en ai peut-être pas parlé au début, mais tout simplement parce que Vita, Ernesto Vita, si on fait Vita c'est la vie, donc en anglais ça fait life. Voilà. Donc, une 41,187. Alors j'ai trompé, c'est 19 secondes, pardon. Mais je crois qu'en fait c'est 13 secondes par rapport au... Non, même pas. C'est vrai que c'est 13 secondes par rapport à la qualification. Moins 7. Bon, je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, ils sont encore derniers. Mais ça s'améliore un petit peu. On arrive maintenant au Grand Prix du Canada. Alors là, je vais essayer de vous montrer une petite vidéo. C'est pas évident hein, de vous montrer des vidéos, ça je vous promets. Une petite vidéo justement prise au Canada par un amateur où on peut voir la life. Donc c'est parti, je vais me taire. Alors voilà, donc ne vous fiez pas au bruit du moteur hein, que vous avez pu entendre juste derrière, c'était pas du tout le moteur de la life, hein. On entend très très peu ce moteur. Vous allez voir en fin de vidéo, je vais vous montrer actuellement la life, ça va être plutôt intéressant. Et donc le Grand Prix du Canada, qu'est-ce qui va se passer au Grand Prix du Canada? C'est que le directeur technique est remplacé, tout simplement, et il y a Peter Weiss. Le remplaçant justement qui va tenter enfin d'avoir ce fameux moteur Judd puisqu'il a des relations un petit peu étroites avec Judd. Et donc voilà, donc là on a la life entre les deux. Et donc au niveau du temps, au Canada c'est toujours aussi mauvais, hein, 29 secondes de retard, 143 km/h. Pas grand chose à déclarer sur cette course, hein, ils ont juste fait un temps assez misérable. On peut voir quand même qu'il y a aussi Claudio Lange et Bertrand Gachot qui ont eu des problèmes, hein, 23 secondes et 26 secondes de retard. Ce qui est pas terrible. On se retrouve après donc à la prochaine course, le Grand Prix du Mexique. Où là, ils vont enfin... un employé de l'équipe explique qu'ils ont enfin récupéré un moteur Judd. Mais Ernesto Vita dément cette information. Est-ce que c'était vraiment vrai ou est-ce que c'était vraiment faux? On ne sait pas. Ma petite idée là-dessus, c'est que vu que le but c'était de promouvoir le moteur Rochi, il n'allait pas dire qu'ils avaient mis un moteur Judd dès le début, hein, ça l'aurait pas trop fait. Mais peut-être que c'est vrai. Enfin, ça c'est difficile à savoir si c'est le vrai ou du faux. Quoi qu'il en soit, au Mexique. Voilà, une petite photo, hein, j'en profite parce qu'il n'y a pas trop de photos du Mexique justement, de Giacomelli, qui était un pilote McLaren, hein, aussi un pilote Alfa Romeo, dans les années 70 et début 80. Il a eu même une pole position, hein, ce pilote à l'époque. Et ce qui est assez drôle, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est quand il va décrire le moteur, c'est priceless, quoi. Donc le Grand Prix du Mexique, 34e temps. Alors je crois qu'il y a une équipe qui n'est pas venue là, parce qu'ils étaient 35 à la base. Le Grand Prix du Mexique, bon bah voilà, hein. 4 minutes 04, 167 km/h, 67 secondes de retard, 65 km/h par tour, donc encore un tour au ralenti. C'est un scandale. Vraiment, vous verrez ça nulle part, hein. Y a que cette équipe qui a réussi à faire des temps aussi misérables sur les circuits. C'est pour ça qu'elle a, c'est une légende en fait, hein, cette équipe. On passe après au Grand Prix de France.
Bah, le Grand Prix de France, pas grand-chose, hein. La voiture fait quelques mètres puis échoue. Voilà, hein, rien d'autre à dire. Du coup, zéro temps, pas de temps, pas un seul virage quasiment fait avec l'équipe. Donc, bah, non préqualifié comme d'habitude. On arrive après au Grand Prix d'Angleterre. Alors, Angleterre, c'est deuxième petite éclaircie puisque l'équipe va réussir à faire un temps, encore une fois. Elle a réussi à faire 5 tours. Et malheureusement, au bout de 5 tours d'affilée, le moteur coupe net. Ce qui fait que bah, l'équipe ne va pas être qualifiée comme d'habitude, ni préqualifiée. Donc là, j'ai une petite photo voilà, de la voiture. Encore une petite autre photo ici. Alors, ça, c'est pris d'une photo avec. Alors, c'est découpé légèrement, mais en fait, c'est une photo signée de Giacomelli sur la Life. Et donc, à Silverstone, elle est quand. Alors, au niveau des temps. Vous allez voir, hein, c'est pas glorieux toujours, hein, on est en 1:25.947. 18 secondes, c'est pas mal, on s'améliore. Une seconde de mieux qu'à Monaco sur le global. 200 de moyenne, excellent. Bon, voilà, hein, c'est toujours aussi mauvais. Faut savoir que c'est à peine 3 secondes plus rapide que deux catégories de formule en dessous de la Formule 1. Et c'est plus lent qu'une F3000. Voilà, donc tout est dit, hein. Ensuite, on arrive en Allemagne. Alors, en Allemagne, c'est pareil, hein, très difficile d'avoir des photos. Profitez-en, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vous en montre quelques-unes, voilà. Alors, ils récupèrent le moteur Judd à ce moment-là, d'ailleurs, au Grand Prix d'Allemagne. Seulement, ils ne peuvent pas le mettre dans la voiture actuellement, qui est toujours avec le moteur Rocci. Donc, ils se disent, bon, il faudrait peut-être faire une deuxième voiture, comme ça on peut faire venir un deuxième pilote, et au passage, on met le moteur Judd. Seulement, vous imaginez bien que s'ils n'ont pas les moyens pour faire rouler une voiture, vont pas avoir de moyens pour faire rouler une deuxième. Et du coup, pas de moteur Judd, on continue avec le Rocci. Et sur le Grand Prix d'Hockenheim, et ben voilà, l'état est toujours le même, 30 secondes de retard. Ça s'est creusé encore plus simplement parce qu'Hockenheim est un circuit de longue ligne droite. Si le moteur roule pas vite, et ben ça va être encore pire au niveau des temps, on n'est pas à Monaco. Donc 30 secondes dans la gueule, 2 minutes 10, non qualifié, 35e, au revoir. On arrive au Grand Prix de Hongrie. Bah écoutez, Grand Prix de Hongrie, rien. Rien, rien du tout. Voilà. 23 secondes de retard. Une 41, 35e. Il y a des équipes qui ont disparu pour moins que ça. Hein. Je repense à Lola avec les 14 secondes, 13 secondes en Australie. Lola Mastercard en hein, 97. S'ils avaient continué, je pense que eux, la limite, ça allait quoi, hein, comparé à la F1, parce que c'était pas bien non plus, mais ils ont arrêté de net. Alors, c'est quand même extraordinaire que l'équipe ait pu continuer comme ça pendant autant de Grands Prix, surtout avec des résultats pareils. Enfin, honnêtement, au bout de deux Grands Prix, il fallait arrêter quoi. Mais ils ont quand même continué. C'est ça qui est assez hallucinant d'ailleurs. Donc là, on a une petite visu, là, on est en Belgique. Voilà, la Belgique, pas grand chose, non qualifié, 29 secondes, sont assez stables. 2 minutes 19, 179 km de moyenne. Plus que 33 pilotes, hein, je crois qu'il y a une équipe qui a jeté l'éponge entre temps. C'est pas Colony d'ailleurs, je me demande qui c'est. Eurobrun, peut-être Onyx, non, je sais pas. Bon. Là, il n'y a rien, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, voilà, le classement en Belgique. Non, ça, c'est l'Italie. J'ai pas trouvé de photo de l'Italie. Je suis désolé, mais l'Italie c'est encore pareil, 32 secondes, 180 km/h de moyenne. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Alors après, ça va devenir un peu plus intéressant puisqu'on va arriver au Portugal. Et cette fameuse photo, il va falloir que j'explique bien entendu. Donc au Portugal, l'équipe arrive enfin, avec le moteur Judd. Ça y est, c'est la fête, on va enfin avoir un moteur qui tient plus que 2 tours. Et malheureusement, ils ont mis le moteur Judd, mais ils ont oublié de régler l'empattement. Suite, évidemment, à un moteur Judd qui est un peu plus long que le moteur W12. Et du coup, bah, le capot à l'arrière, bah, il rentre pas. Et comme il rentre pas, et bah, ils vont l'attacher avec du scotch. Sauf que, bien entendu, en Formule 1, quand on attache des éléments de carbone ou de carrosserie avec du scotch, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain nombre de kilomètres heure? Eh bien le capot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bye bye, donc ils se sont retrouvés sur la piste. Voilà, donc ils
plus de capot. Donc ils ont récupéré pour les mécanos ben, en préqualification. Alors il y a aussi une histoire qui, par rapport à ça, c'est que du coup ça leur empêchait de tourner. Ça leur empêchait de tourner pendant les préqualifications. Le problème, il faut savoir qu'en Formule 1 à l'époque, quand vous ne faites pas les préqualifications, vous avez une pénalité. Et les pénalités elles sont assez énormes, hein, je crois que c'est à peu près, ils disaient à l'époque, je crois que c'est 200 000 dollars. Ce qui est énorme, 200 000 dollars pour une petite équipe comme ça, hein, il faut vraiment se le dire. Et en fait, pour pouvoir participer aux préqualifications, c'est considéré passer en préqualification, il faut avoir franchi la ligne des stands et être rentré sur le circuit. Au Portugal, il y a un avantage par rapport à ça, c'est que la piste est en descente. Quand vous sortez des stands, c'est en descente, il y a un virage à droite. Et bien ils vont profiter de ça, ils vont pousser la voiture, ils vont laisser la voiture sur son élan avec le pilote seul, puisque les mécanos n'ont pas le droit de sortir des stands, faire quelques mètres, et une fois arrivé au bout, le pilote va carrément s'arrêter. Moteur coupé, hein, limite, hein, ça change rien. Et voilà, Life a fait les préqualifications. Alors évidemment, pas de temps, hein, puisqu'ils ont pas, ils ont pas pu tourner. Mais du coup, et voilà, ils ont pas eu la pénalité au Portugal. Alors, entre-temps, il y a les essais de mi-saison, avant d'arriver au Grand Prix d'Espagne. Et c'est là, donc, qu'on apprend... Donc, le Judd est enfin mis en place, enfin, et enfin dedans, avec la coque refaite, etc. Et c'est là que les comparaisons se font avec le moteur Audi. Gary Brabham explique, Giacomelli explique qu'il y aura à peu près 15 secondes de gagné par rapport au précédent moteur, ce qui est énorme. Souvenez-vous des temps de retard hein, et rajoutez, et enlevez 15 secondes. Enlevez 15 secondes, on se retrouve quasiment des fois au niveau des pilotes. On est au même niveau pratiquement que les pilotes non préqualifiés. Donc déjà, bon, c'est un peu mieux. Il explique que le Rothschild n'aurait pas fait 140 kg comme prévu, mais 200 kg, ce qui est énorme puisque le Judd fait 120 kg, donc là on gagnerait 80 kg sur la voiture. Et que le Rothschild faisait à peine, alors il expliquait entre 360 chevaux et 450 chevaux en moyenne, au lieu des 650 qui étaient estimés sur le banc d'essai. Donc déjà, l'arnaque elle est assez énorme. Et ils avaient en tout 3 moteurs pour la saison contre 7 par Grand Prix pour McLaren. C'est-à-dire que McLaren, vous avez 7, faut imaginer 7 x 16, quoi. Ça fait quasiment 7 x 16, c'est combien ça fait 7. Ça fait 90 moteurs par an pour McLaren, contre 3 pour l'écurie Life. Donc voilà le résultat du Grand Prix donc d'Hongrie, donc d'Hongrie de Portugal. Pas de temps, vous en doutiez. On arrive en Espagne, donc voilà la voiture en Espagne. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? On retombe toujours dans l'amateurisme, donc l'équipe, elle oublie les crics hydrauliques. Donc du coup, pour surélever la voiture, comment ils font? Bah, ils sont obligés de prendre les 4 chacun par la suspension pour pouvoir la lever. Et ils sont obligés de changer les pneus à la main parce qu'ils n'ont pas pris de pistolet pour changer les roues. Voilà. Donc là, on est vraiment au plus bas. Le Grand Prix d'Espagne, bah, malgré le moteur Judd, bah, ça va pas faire grand chose. Hein. 24 secondes de retard, à 147 de moyenne, donc ça n'aura rien arrangé, même si il était prévu qu'il gagne pas mal de temps. Et du coup, eh bah, on arrive au bilan de la saison, puisqu'en fait l'équipe ne va pas partir au Japon et en Australie, parce que les coûts de déplacement étant très élevés, l'équipe ne veut pas se permettre. Et Ernesto Vita se dit, bon bah de toute façon, on va tenter 91, on va augmenter les effectifs de l'équipe. Vous allez voir, je vous en parlerai derrière. Donc le bilan de cette saison, c'est 0 préqualification réussie, 0 qualification, on se met pas à rentrer pour faire la qualification, 0 pour marquer, donc en fait, il faut pas participer à la course hein, pour marquer des points. Vitesse maximale 255,8 km enregistrée. La meilleure qualification, c'était avec 13 secondes de retard Monaco, je me suis trompé, mais bon. Et 32e sur 34 à Imola, merci aux deux voitures qui ont échoué à partir, et l'autre qui a eu un problème mécanique aussi. Hein, bon. Donc on a, je pense, un des plus catastrophiques résultats d'une écurie en Formule 1 ever. Ever. Pour une saison entière, évidemment, parce que des équipes qui ont fait une ou deux courses, ça a déjà existé, mais pour à peu près l'ensemble d'une saison. Voilà, donc Life, c'est vraiment le pire possible. Du coup, alors j'ai une petite vidéo à vous montrer, donc je termine pour les objectifs de 91. Donc ils voulaient embaucher jusqu'à 20-30 employés, avec un autre moteur évidemment, début avec un autre moteur Judd pour commencer. Par contre Giacomelli lui s'en va, hein, il ne retentera pas l'aventure s'il y avait une saison 91.
Et il envisage même de déplacer l'usine en URSS, puisqu'il y a son commanditaire russe, Pilotsky. Sauf que Pilotsky, en fait, n'a jamais payé Life de la saison, n'a jamais fourni la moindre pièce. Ce qui fait qu'en fait, ils ont complètement arnaqué. Complètement, Life n'a jamais eu aucun support quasiment de constructeur, si ce n'est un peu Adji pour le financement et quelques sponsors. Mais Pilotsky n'a rien envoyé. Il faut savoir aussi, c'était Giacomini qui l'avait souligné, que le moteur Rocci, il faisait 10 chevaux de moins que la McLaren de 77 qu'il avait pilotée à l'époque. On est 13 ans plus tard. 13 ans plus tard avec ce moteur. Donc 10 chevaux de moins qu'un moteur d'il y a 13 ans, ils n'avaient aucune chance, mais vraiment aucune chance. Allez, je vous propose une petite vidéo justement de la life encore. Alors là, je pense que je vous ai tué. Et donc voilà, bon, je suis désolé, je vous ai pété les oreilles, j'en suis certain au début, le son était à fond, bon, pardon, voilà, donc je suis désolé. Bon, voilà le Motor Life, le bruit du Motor Life, de le W12, le fameux W12 Rocci. Donc, ben, pour terminer, pas grand-chose, si ce n'est que quelqu'un sur Internet, sur un tweet, justement, a réussi à retrouver l'adresse de l'usine où a été conçue la Life, c'est-à-dire ici, là, en Italie. Donc vous voyez qu'elle existe toujours, hein, elle a dû être refaite pour un garage, je ne sais pas trop, mais bon, elle existe encore. C'est des images Google Maps, hein, je précise. Donc ça a été récupéré sur un blog. Et voilà, bah écoutez, je pense qu'on a tout dit sur cette écurie, donc qui aurait été bah, une des pires écuries de Formule 1. Je pense qu'il n'y a quasiment pas pire que celle-là. Sûrement peut-être dans les années 50, 60, 70, il devait y avoir des trucs comme ça, mais en tout cas aussi proche de nous en termes d'années, c'est-à-dire dans les années 90, cherchez pas, il n'y a pas du tout. Allez, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans je ne sais pas combien de temps, comme d'habitude, pour un prochain Parlons F1. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.